Et salut tout le monde, Soximoz. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de build. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à faire un drone ultra réaliste. Alors comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes. On tente les une vue est égal à un like. Et si on peut dépasser les 800 likes, ça serait génial les amis. Je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant parce que c'est super important. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je sors une vidéo par jour. Donc comme je vous ai dit, on va faire un drone aujourd'hui que je me suis inspiré de plusieurs vidéos et tout. Et de mes talents en build, si on peut dire ça comme ça. On aura besoin de ça pour ça, d'une caméra, enfin c'est d'une tête en fait, une tête custom, je vais vous montrer comment la voir juste après, d'une barrière en comment on appelle ça, en bois de bouleau, moi j'ai pris ça mais vous pouvez prendre autre chose, d'une dalle en quartz, de trappe en fer et d'un répéteur. Alors comment avoir la tête, c'est très très simple, il va falloir faire slash give votre pseudo, donc moi c'est Oximoz, Minecraft command block, vous le posez ici, vous collez la commande que j'ai mis en description, vous allez voir c'est très très simple à la trouver, vous prenez un bloc de redstone et vous le posez et voilà, ça vous donne la tête. Sinon si vous êtes sur Minecraft PE, prenez une tête de Wither, ça marche aussi hein. Franchement ça marche aussi pour les tutos PE, c'est juste que ça ressemblera pas à une caméra parce que le drone on veut quand même mettre une caméra dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai envie de me centrer comme d'habitude, on va se mettre ici, on va lever les dalles, enfin on va se mettre des dalles jusqu'à peu près là. En fait il faut être sur la partie haute d'un bloc, c'est à dire que là par exemple, là c'est un bloc en entier, et eh bien on veut qu'une dalle elle soit sur la partie haute d'un bloc, c'est à dire qu'on veut qu'elle soit comme ça à peu près, comme ça on peut poser un répéteur dessus, donc on va le poser, on va mettre à peu près les trucs ici comme ça, ça fait deux petites antennes, deux petits voyants et tout, ça fait assez réaliste. Une fois qu'on a fait ça, ici, on va faire ça, comme ça, tac, 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 voilà. Tout simplement parce que comme ça, on va pouvoir poser des portillons ouverts. Vous les ouvrez les portillons, hein, comme ça, voilà. Comme ça, ça fait des petits pieds pour le... Alors, ça fait non seulement des pieds pour le drone, mais ça fait aussi comme des trucs qui tiennent les pales, en fait. Enfin, les hélices. Et vous allez voir, c'est... Bon, même si ça touche pas trop les hélices, vous allez voir que ça rend quand même plutôt joli. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous aurez juste à faire... alors vous allez vous mettre en sneak je crois, ouais c'est, en fait c'est un peu galère, je vais vous montrer, alors on va poser des blocs pour se positionner comme ça, c'est un peu galère, il va falloir un peu jouer avec les blocs, voilà, il va falloir en mettre un comme ça, puis après un comme ça, voilà, alors regardez on va faire la même chose ici, tac, alors on va se mettre ici aussi, comme ça il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'embrouille, on fait comme ça, on peut se mettre comme ça aussi, on en met vraiment partout si vous voulez, en fait le but c'est que dans chaque coin il reste, il y ait des trappes en fer, voilà, alors soit vous laissez comme ça, ce qui est plutôt joli, ou soit vous mettez une deuxième couche de trappe en fer juste en dessous, et là franchement ça rend un peu mastoc et j'aime plutôt pas mal. Une dernière chose à faire, il faudra mettre la caméra qui est juste ici, alors moi j'ai pris une caméra, il y a un petit écran derrière, c'est un peu dommage, vous pourrez prendre aussi une autre caméra, il y a un site qui s'appelle Minecraft Heads, minecraft-heads.com, et c'est là où je prends pratiquement, enfin où je prends toutes mes têtes custom que j'utilise pour mes tutos, donc allez voir, il y a plein de trucs différents, il y a plusieurs, il y a une dizaine de milliers de têtes en tout, ah quoi que non, il y en a 5000 je crois, enfin bref, il y a plein de têtes, il y en aura pour tous les thèmes, donc voilà, moi j'ai pris une caméra, vous pouvez en prendre une autre, bref, voilà, ce petit tuto il est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, il est plutôt cool hein, franchement il est assez réaliste, vous mettez ça dans votre monde Minecraft, ça passe crème. Bref, alors, hop, on va tout enlever. Et voilà, bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter votre avis dans les commentaires. Une petite note sur 10 accompagnée d'un commentaire positif ou négatif du moment qu'il est constructif. Pensez à liker, comme j'ai dit au début de la vidéo, une vue est égale à un like. On tente les 800 likes pour cette vidéo. Pensez à partager, c'est le plus important. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis, c'était Oximoz pour servir. Allez, ciao. Just